Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je me présente d'abord, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 2 ans. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte, voyez, qui se présente comme ceci. Alors, elle a un petit effet sympa, puisque vous voyez, quand on l'ouvre, elle est à plat. Et quand on la replie, on a l'impression que c'est en 3D, mais en fait, pas du tout. Donc, cette carte, pour cette carte, j'ai utilisé le set de tampons dépensés. Elle est toute simple à réaliser. J'ai juste une petite technique pour tamponner les pincées et pour le pliage après. J'ai rajouté ces 2 bandes de papier. Et pour aujourd'hui, je ne vais pas utiliser des pincées, mais je vais utiliser le set de tampons fleurs pour toujours. Et je vais utiliser ce tampon-là. Donc, c'est celui qui va venir se positionner ici. Ce tampon, donc ce set de tampons est coordonné au set de poinçons cerisier en fleurs. Et dans le cerisier en fleurs, je prends, hop, je l'ai là, je prends la découpe donc qui est coordonnée à notre tampon. Alors aujourd'hui, je vais utiliser les couleurs Narcisse Délice. Narcisse Délice et Vert Olive, donc pour réaliser ces 2 petites bandes ici et pour coloriser ma branche de cerisier. Donc, comme d'habitude, la base de carte, elle est toute simple, c'est du 21 cm par 14,85 cm. Et on fait un pli à 10,5. C'est la base classique. Donc, pour ce modèle-là, on travaille, on tamponne à l'intérieur. Vous voyez, on tamponne à l'intérieur de la carte pour que, une fois qu'on la replie, le tamponnage se retrouve à l'extérieur et devant la carte. Donc, pour ça, je fais un petit repère à environ 3,5 cm du bord gauche. Je prends mon crayon et je fais un repère à l'aide de mon massicot. Je fais un petit repère à 3,5 cm. C'est uniquement pour voir à peu près où je place mon tampon. Donc, je prends ma branche de cerisier. Je l'ancre et je viens tamponner. Donc j'essaie de le centrer par rapport au trait que je viens de faire. Hop, on l'appuie bien. Voilà, ma branche cerisier est tamponnée. Je nettoie mon tampon avec mon chamois, ma chamoisine. Hop. Et je laisse de côté. Ensuite, la technique. Non, d'abord, je vais coloriser ma branche cerisier. Donc, je vais donc utiliser les couleurs qui sont coordonnées au papier que je vais positionner ici, ces 2 papiers-là, ces 2 bandes de papier. Donc, j'ai pris Narcisse Délice et Vert Olive. Alors, voilà Narcisse Délice. Et Vert Olive, où se cache-t-il? C'est le numéro 5. Il se cache, il est sorti de cette boîte. Bon, il est dans l'autre boîte.
J'avoue que je n'ai pas regardé avant. Ah, ça va être celui-ci, le 5. Voilà. Hop. Donc, pour coloriser, j'utilise donc ces deux crayons. Et pour que le coloriage soit presque parfait, parce que je ne suis pas une professionnelle du coloriage, pas du tout, j'utilise mes crayons estampes qui vont étaler un petit peu le coloriage que j'ai fait et qui vont faire un petit effet aquarelle. Vous allez voir, c'est assez magique. Hop. Allez, on va commencer par le feuillage. Donc, on pose un petit peu de vert dans tout le feuillage. Et donc après, mes petites fleurs, je les ferai un jaune. Mais pour utiliser ces crayons et les crayons estampes, il faut avoir tamponné avec de la Memento, puisque c'est une encre à base d'alcool qui sèche très rapidement. Si vous le tamponnez avec les autres encres de chez Stampin' Up, par exemple celle-ci, c'est des encres à base d'eau et donc ça risque de baver après sur le pourtour. Hop, un petit peu au niveau de la tige. Vous allez voir, la technique, c'est très simple. Je prends mon crayon estampe. Je vais en rajouter un peu ici. On le voit un peu plus. Vous voyez, vous allez voir que ça enlève tous les coups de crayon. Vous voyez par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des traces de mon crayon. Donc, je prends mon crayon estampe. Et là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais tous mes coups de crayon ont disparu. Et ça donne un petit effet aquarelle. Hop. L'avantage, c'est que le crayon estompe, on le frotte un petit peu et voyez, au bout d'un moment, la mine est propre et on peut continuer sur une autre couleur. Alors, on va continuer avec le jaune. Vous pouvez colorier comme vous voulez. Franchement, ces crayons avec ces crayons estampes, c'est miraculeux. Bon, le coloriage est un peu long. Voilà, la dernière petite fleur. J'insiste un petit peu parce que le jaune est quand même assez pâle. Hop. Allez, la dernière. Allez, on continue avec le crayon. Vous voyez, il suffit juste de le passer comme ça. Et ça étale toute la couleur du crayon qu'on vient de passer.
voyez un petit peu le rendu. Bon, c'est vrai que fleur de cerisier, j'aurais pu le faire un rose pâle, hein, mais... Oui, j'avais mis deux jaunes aujourd'hui, deux verts et deux jaunes. C'est un petit peu les couleurs du printemps. Hein. Allez, je vais continuer donc. Les petits bourgeons, un vert. Hop. Un scrap, tout est permis. J'ai pas fait cette tige. Et voilà, on nettoie le crayon et le tout réussi. Voilà un petit peu ce que ça donne. J'aurais pu insister ici. L'avantage, c'est qu'on peut y repasser dessus sans problème. Voilà, donc maintenant, on va passer au découpage de notre branche. Donc, pour ça... J'ai besoin de ma Big Shot. Et je vais la positionner. Alors, je vais mettre bien dans le champ. Je vais donc positionner ma branche bien centrée sur ma plaque. Et je vais positionner ma deuxième plaque. N'est-ce pas, juste au niveau du repère que j'ai fait tout à l'heure à 3,5 cm. Voilà, c'est-à-dire que le bord de ma plaque alors on se positionne le plus droit possible et donc c'est-à-dire que le bord de ma plaque ici est sur le trait, le repère que j'ai fait à 3,5 cm tout à l'heure. De cette façon, je vous montre tout ça, puis je mets pas mon die. C'est très malin de ma part. Donc, je le positionne. Sur ma plaque. Sur mon dessin. Je positionne donc, comme je vous ai expliqué, ma deuxième plaque. Sur mon repère que j'ai fait tout à l'heure à 3,5 cm donc qui se trouve ici. De cette façon, la Big Shot ne va découper que cette partie. Cette partie-là ne sera pas découpée. Allez, on s'y jette. Ça craque un peu, mais c'est normal. Hop, je reprends ma Big Shot parce qu'elle prend de la place. Et voilà, je reprends délicatement mon petit scotch. Mon poinçon. Hop. Et vous voyez, ma fleur est découpée. Ma fleur, ma branche. Donc, je vais reprendre mon massicot. Je vais dans un premier temps effacer mes coups de crayon. Nettoyer la gomme d'abord.
Donc j'efface un petit peu mon crayon ici. Voilà, et je vais donc effectuer des petits repères, non pas des repères, des petits plis sur mon repère à 3,5 cm pour pouvoir plier après ma feuille, pour pouvoir effectuer en fait ce pli que vous voyez là, et pour pouvoir plier mon papier. Alors, je me positionne donc à 3,5 cm. Je me positionne de chaque côté de mon motif, voyez, ici et ici, de manière à pouvoir plier ma carte comme ceci. Ensuite, donc, je plie ma carte par le milieu avec le pli que j'avais fait à 10,5 cm. La carte prend tournure. Je vais donc maintenant effectuer mes petites bordures ici. Pour cela, je vais utiliser un autre set de dies que nous avions. C'était dans la collection Pivoine. Et j'ai un dies qui est ici, qui est venu se coller ici. Et donc, c'est donc celui-ci que j'ai utilisé pour faire mes petites bordures, vous voyez, ici. Et je trouve que ça fait une petite bordure fantasy assez sympathique. Allez, donc pour ça, je reprends évidemment ma Big Shot. Hop. On la repositionne ici. Je prends ma carte, je la positionne comme ceci, je prends mon die et je vais l'installer le plus droit possible sur ma carte, ici et ici, et je vais couper. Je ne vais pas jusqu'au bout, ça ne sert à rien puisque ma découpe vraiment se situe à l'extrémité de la carte. Hop, je récupère mon poinçon. Et voilà, vous voyez, ma première découpe. Et faite. Vous voyez, hop, ici. Donc, je vais en faire deux autres. Une en vert olive et une autre en narcisse délice. Alors, je vais couper un morceau. De vert olive. Je vais repositionner donc mon dies ici, toujours pareil, le plus droit possible, et je le passe à la machine. Tout à l'heure à la hauteur qu'il me faut pour ma carte, et je continue, je fais ma deuxième découpe donc dans le narcisse délice. Hop, ici.
Et hop ici. Et pareil, je découpe. Voilà, je peux reprendre cette machine. Hop, j'enlève mon dice. Et je vais maintenant couper à la longueur de la carte pour que ce soit parfait. Alors, lequel je mets en premier? Celui-là, je finis par disjoindre. Non. Ou l'inverse. Bon, je ne sais pas. Allez, on va prendre le massicot. Je vais déjà couper ce petit morceau. Hop. Et ici. Hop. Et je vais garder un morceau d'à peu près 1,5 cm. Faut pas qu'il soit trop grand parce qu'il faut pas qu'il se voit derrière en fait. Vous voyez, si je le coupe trop grand, ça va dépasser après. Alors, on va couper la longueur. Voilà, vous voyez, j'ai un petit morceau en trop, c'est normal. Voilà. Et ensuite, on fait pareil avec le verre olive. Je coupe à ce niveau-là. Et voilà, on essaie de les aligner. On aligne tout ça sur notre carte. Et vous voyez, j'aurai ce morceau en trop à découper. Voilà, je vais coller tout ça. Alors, je fais dans ce sens ou dans ce sens. Ça, ouais, je vais faire comme ça. Allez, d'abord le jaune. Donc, je positionne de la colle vraiment au bord. J'ouvre ma carte. Et je colle. Et puis, voilà. Et je coupe. Je fais, hop là, la même chose avec mon morceau vert olive. Je positionne un petit peu de colle. Et je colle.
et je coupe ensuite le morceau que j'ai en trop. Et voilà, vous voyez notre cartelle presque terminée. En fait, elle est très simple à réaliser finalement. Je vais juste mettre un petit message à l'intérieur ainsi qu'un petit rappel de notre set de tampons. Où est-il? Ici. Donc, j'ai choisi ce petit message, toujours et infiniment. Et je vais apposer, je pense, deux petites feuilles. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais donc mettre ce message. Et je pense que je vais apposer deux petites feuilles comme ceci, à l'intérieur de la carte, à ce niveau-là. Allez, pour ça, je prends mon encreur à base de vert olive. Je prends mes blocs acryliques, mon petit message. Alors, on va essayer de positionner le plus droit possible déjà sur le bloc. Hop. On fait un essai. Et je le positionne voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre ma petite feuille qui est ici, toute petite, et je vais la tamponner un petit peu. Comme ceci. Et je vais en mettre une autre. Comme ceci. Juste une petite touche de rappel, en fait, de notre carte. Et comme ça, quand elle est fermée, vous avez vos deux petites feuilles qui apparaissent. Voilà. On nettoie les tampons. Voici pour un. Voici pour deux. Alors, pour donner un petit peu de brillance à notre carte, je vais appliquer un petit peu de stylo magique que nous avons chez Stampin' Up, donc qui se nomme Wink of Stella et qui fait un petit effet brillant. Donc, je vais en mettre un petit peu sur les feuilles. Vous allez voir que de suite, ça fait la différence. Je dis sur les feuilles alors que c'est sur les fleurs. Hein. Mais bon, vous avez suivi, je supposais. Là. Voilà. Regardez de suite, je ne sais pas si on va pouvoir le capter à la lumière. Enfin, je trouve ça très, très joli. Je l'adore. Alors, est-ce qu'on essaie de mettre une petite fantaisie? Allez, on va mettre des petits bijoux classiques de cristal duré. Pour que ça brille encore un petit peu plus, hein. Vous êtes bien d'accord? Hop, allez. Celui-là qui se promène. On va mettre par là. On en met un autre par ici. Après, c'est vraiment
Au pif, c'est chacun qui voit à peu près où il veut le mettre. Je pourrais mettre une ici, au centre de la fleur. Et voilà. Vous voyez, une petite carte simple, qui, ma foi, a un effet qui est pas mal du tout, qu'on peut réaliser avec plusieurs sets de tampons, vous voyez. Celui-ci, c'était avec les pincées. Ici, c'est le cerisier. Et j'en avais fait un troisième, qui était avec des coquelicots. Vous voyez, trois cartes, trois couleurs différentes, trois motifs différents. Et une carte quand même qui est toujours assez sympathique à offrir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un très bon après-midi. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.